Début de saison compliqué pour les Lillois qui, après leur élimination en Ligue Europa face aux Azeris de Kabala, ont subi une nouvelle désillusion en s'inclinant lors de la première journée à Saint-Symphorien face au promu Messin, 3 buts à 2 alors qu'ils avaient mené à 2 reprises dans la partie. La réaction des hommes d'Antonetti est forcément attendue face à un autre promu, Dijon, défait lui à domicile face à Nantes. Et ce qui est étonnant, c'est que l'on a du mal à voir les Lillois enchaîner et se porter à l'attaque du but de Baptiste René. On soulignera cette tentative contrée de Nicolas Depréville qui entraînait sa première titularisation sous son nouveau maillot lillois. Finalement, les meilleures opportunités, elles sont pour les Dijonais, sans complexe, avec cette frappe de Bamboula qui n'inquiète pas outre mesure Vincent Enyama. 0-0 à la pause. Les spectateurs du stade Pierre-Mauroy ne sont pas satisfaits du spectacle de ces 45 premières minutes et ils l'ont fait savoir, tout comme Frédéric Antonetti sûrement, qui a dû bouger ses hommes dans le vestiaire, car le deuxième acte sera un peu plus consistant pour les Dogs, notamment avec à l'initiative Eder, le centre qui voyage dans l'autre partie du terrain et le centre tir de Ryan Mendes qui atterrit sur la barre transversale de Baptiste René. Finalement, c'est sur un centre mal négocié que l'on a failli voir l'ouverture du score. Dans la minute qui suit, le ballon d'Amalfitano pour Eder qui est trop court pour propulser le ballon dans les buts de Baptiste René. Eder, évidemment, l'attaquant portugais bourreau des Français lors de la finale de l'Euro 2016. 0 à 0. Les Dijonais se disent que pourquoi pas, il y a un coup à jouer avec ce débordement de Chafik et ensuite c'est Romain Amalfitano, frère cadet de Morgan, qui voit sa frappe détournée et longer le poteau de Vincent Enyama. Finalement, les Dijonais de Florent Balmont, qui retrouve son ancienne équipe, ne sont pas en danger, mais sur un coup, pourquoi pas, avec ce travail de Amalfitano. Morgan pour Eric Botteac, entrée en jeu. Eh bien, on aurait pu voir l'ouverture du score, mais l'ancien Niçois, avec son mauvais pied, n'attrape toujours pas le cadre. Des absents côté Lillois, Pacha, Obadi, Boufal, Ronnie Lopez. Il y a des absents, mais on parvient à se procurer des occasions, notamment sur Pupiaretti avec cette tête d'Eder. Et il faut une horizontale magnifique de Baptiste René pour préserver ce 0-0. Les minutes passent et Dijon tient son premier point de la saison jusqu'à cette 87e minute. Le contrôle raté de Eder se transforme en passe décisive pour Younous Sankaré, l'une des recrues estivales, l'ancien Guingampais et ancien Dijonais. Younous Sankaré ouvre le score. Enfin, Lille est récompensée pour avoir nettement mieux joué en deuxième période. Eder a de la réussite et Sankaré en embuscade glisse ce ballon hors de portée de Baptiste René. Lille s'impose par la plus petite démarche au terme d'une rencontre que les Dogs n'ont jamais vraiment maîtrisée. Mais dans le contexte actuel, l'essentiel est bien les 3 points. Des points que n'ont toujours pas pris les Dijonais. Défait pour la deuxième fois sur le score de 1-0.